Et je vous retrouve donc avec Bernard, vice-président de l'association Arva, qui va nous parler de l'événement du 4 septembre qui va se passer. Il y a un chien qui va se passer au Port du Plomb, Agnol. Bonjour Bernard. Bonjour, oui, ben effectivement, donc le 4 septembre, l'Arva donc organise une grande manifestation qui regroupe donc les passionnés donc de voitures anciennes et de vieux gréements. Donc toute une journée qu'on espère festive, hein, puisque le matin donc on organise pour les participants donc une balade dans l'Aunis. On traverse 11 communes et surtout donc on passe sur le vieux port de La Rochelle. Il y aura quelques petites surprises pour les participants, mais ça évidemment comme c'est des surprises, on ne leur en parle pas tout de suite en tout cas. Et puis également donc on convie donc des vieux gréements, donc puisque la manifestation se passe au port du Plomb, dans un bel écrin. Donc on a quelques vieux gréements qui ont déjà répondu présent, mais évidemment plus il y aura de vieux gréements, plus la manifestation sera réussie. Donc voilà, donc on fait un petit appel aux propriétaires de vieux gréements s'ils veulent bien participer également à l'événement, puisqu'en fait le 4 septembre a été choisi puisque la marée sera haute aux alentours de midi 13h. Voilà. Donc les bateaux pourront accoster au port du Plomb entre 11h et 14h30. Voilà. Et donc c'est une manifestation. Donc entre midi et 2, il y aura une animation musicale. Il y aura les deux restaurants sur place, hein, qui sont prévenus, possibilité de pique-nique bien sûr. Et puis l'après-midi, donc pour ceux qui le souhaitent, il y aura des baptêmes en voiture ancienne qui seront proposés. Donc on fera faire des baptêmes à des enfants malades, puisqu'on a un partenariat avec le Lions Club Atlantique. Et puis également, donc, comme il y aura un certain nombre de voitures qui seront présentes, et bien le public, s'ils veulent faire un petit tour de voiture ancienne, moyennant la modique somme de 10 euros, donc pourra faire un petit tour en voiture ancienne. Donc ça lui permettra effectivement à la fois de se faire plaisir et puis également donc, d'alimenter les fonds du Lions Club. Voilà, donc c'est toute une journée que l'on espère réussie. Merci Bernard. L'appel est lancé pour les vieux gréements. À bientôt sur C17. Merci. Et toujours en direct. Merci beaucoup.